The largest number of people who ever gathered together in any one place to hear any music of any kind in all history. Écoute, ma vision de 3010, pour moi, c'est un artiste. 3010, il arrive à être un mec bien et un artiste de talent, qui arrive avec une vraie proposition artistique. Ce qui m'a plu, c'est que lui, il cherchait à se positionner autrement. Il arrivait à quelque chose qui lui était personnel. Et ça m'a plu parce qu'il arrivait à être différent dans sa musique et être un individu différent de la masse. Il arrive à être différent, mais en même temps fédérateur. De premium, c'est de l'évolution, c'est-à-dire qu'on peut sentir clairement que le mec a évolué. Alors, faut pas oublier qu'il est jeune, on est dans une industrie où les gens vendent des disques autour de 25-30 ans de manière générale. Avant, il se passe des choses, c'est long, les artistes ont gestation. Et lui, on peut sentir clairement que du premium 1 au premium 3, il y a une véritable évolution, qu'elle soit dans le choix des instrus. Le travail qu'il a fait avec DJ Battle a été vraiment bénéfique pour le coup et on le ressent, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a trois étapes, voilà, et que ça lui a permis de se trouver. Il a essayé des choses, il a essayé différents types d'instrus, différents types de tempo, il a enchaîné tout un tas de flows, il a abordé des thèmes, il a parlé de choses de la vie sans forcément rentrer dans le fond. Pas mal. T'as été pour venir ? Ouais, en fait je connaissais l'entrée du spot, pas cette section-là, ouais, l'autre en fait il y en a. T'as vu 3-10 ? Non, mais on est dans l'update news. Ah ouais, et je viens d'écouter différentes vues aussi. Ah ok. Je viens de lui faire, il est arrivé, j'ai fait écouter différentes vues, t'es arrivé. Ok, très bien. Je t'ai envoyé FP t'appeler justement pour que tu puisses arriver. Ah monsieur, c'est cool. Et ce qui m'a séduit derrière ça, ce qui m'a beaucoup plu, c'est lorsqu'on a commencé à bosser ensemble, on a tout de suite fait de la très bonne musique. Ce qui n'est pas le cas toujours. Et on a fait que de très bons tracks. C'est cool parce qu'en vérité, j'arrive autant à écouter sa zik dans ma caisse, tu vois, dans un total divertissement, et en même temps écouter des choses qui me parlent et qui me touchent. Et ma vision de 3010, c'est que c'est un putain d'artiste. Ouais.